On a un nouveau chien à adapter. On est un petit peu peureux. Encore une nouvelle recrue golden? Super! Oui, c'est bien. Oh, la deuxième patte. Bravo! Bon, on y va tranquille? Bah oui! Voilà, ça, c'est des bons signes. Oui, bon, vous, 2 secondes. Oh, les paraboles que t'as, toi. Et t'es connecté à Starlink? Bah oui! On est le petit chien d'Elon Musk! Voilà, on est très content d'avoir un copain. Alors, sa propriétaire m'a dit qu'il aimait pas trop l'eau, ni la boue. Je compte pas le nombre de propriétaires qui m'ont dit ça. Georges? Oui, enchanté. Oui, non, mais moi j'y vais pas pour les golden, moi. Georges, t'en as vraiment rien à cirer, hein, des autres chiens. Et c'est pas que j'en ai rien à cirer, mais c'est que bon, au bout d'un moment, il y a des vrais trucs à faire, quoi. Et si je suis pas là, il y a tout qui se casse la gueule. Hein. Regarde ta volière, t'as pas voulu me demander. Et ben hop, 2 semaines après, il était envolé, le bazar. Ah, maintenant, je suis obligé de tout vérifier 2 fois. Beaucoup de responsabilité ici, quand même. Bon, c'est la 2e sortie pour le loup. Georges, il cherche encore des truffes. Et il y a Scylla qui vient d'arriver. Voilà, ça y est, ça déménage. On laisse Seven se mettre dans le bain tranquillement. Si vous voulez bien vous donner la peine. Voilà. Bon, bah voilà, c'est bien, t'es propre. Bon, bref, voilà. Heureusement que j'ai pas fini ma phrase. Voilà, inauguration de la piscine. Wouhou! Bon, résultat, notre ami Seven. Le problème, vous voyez, c'est que Seven, je peux pas réellement le mettre dans le grand parc tant qu'il m'approche pas naturellement. Ah, évidemment, le fait d'avoir un portable dans les mains, ça arrange pas les choses. Eh, hey, bichon, bon alors. Tiens. Oh, bah, ça y est, on se détend. Ah, oh, oui, d'accord, ok. Ça, c'est une manière de me dire, attends, eh, oh, détends-toi, on n'a pas élevé les golden ensemble. Oh là, ça y est, on est chaud. Oh, ah ouais. Ça fait beaucoup dans la tête? Allez, on va voir si t'es un vrai golden. Wouhou! Je rappelle la phrase de sa maîtresse. Il n'aime pas la boue. C'est donc l'opposé de Scylla. Ah, ceci dit, hein, pour l'instant, on y croit. Hein. On a été trahi par Tracker il y a quelque temps. Mais là, il est possible qu'on soit sur le patient zéro. Non, là, par contre, on n'est pas sur un prototype de flat coat. On est plus sur un modèle de série. Oula. Oula. Ouais, non. Non, voilà, je le savais. Et voilà, c'était sûr, hein, de toute façon. Les illusions perdues. Oui, non, mais voilà, il aime pas l'eau. Non, ça m'étonnerait qu'il y aille. Ok, voilà. Mais quelle merveille. Bon, bah, désolé, hein. S'il aimait pas l'eau, bah, c'est raté. Oh, la vache. Oh, regarde, il y retourne tout seul. Oh, c'est bon. On a débloqué le gène golden. On l'a fait muter. Le petit chromosome, il était coincé dans un petit coin, là. Et puis, à force de le secouer, le gène s'est activé. Je pense, Scylla, que tu n'y es pas pour rien. Ah ben non, on n'a pas peur de moi. Bah oui, on est content. On est surexcité, comme un border. Le tapis n'a pas bougé, ça c'est très bien. On a survécu à la première heure en pension, qui consiste à ne pas défoncer le tapis. Hop là, on va découvrir le monde. Oula, ça fait peur le monde apparemment. Bon, lui, il a déjà vu des chiens dans sa vie. A priori, il est ultra sociable. Donc, on va beaucoup s'amuser. Bon, allez, Scylla. Voilà, hop là. Voilà, bichou. Ah bah oui, mais tu voulais une entrée en matière un peu énergique. Et bah voilà. Scylla, je crois que tu lui fais peur un peu. Vous nous demandez souvent s'il y a un âge limite pour venir en pension. Bah non, parce que là, petit Valco, il a 5 mois. Et vous voyez, il est tout à fait adaptable en pension. Et on a déjà eu des chiots de 2-3 mois aussi, qui passaient un très bon moment, il n'y a pas de souci. Et alors, plus ils viennent tôt, et mieux c'est. Bon, bah ça a l'air d'aller. On a l'air de vouloir courir beaucoup. Va falloir canaliser toute cette énergie-là. Allez, hop, dans le grand parc. Et ben voilà, ça va bien le faire, ça. Et donc, vous voyez, finalement, 5 mois, bah, ça s'adapte beaucoup plus vite que parfois des chiens qui viennent à 2-3 ans, quoi. Ah, là, il est déjà super content, tout ça. Là, il fonce dans tout le monde. Nickel. Bon, ça va, pour l'instant, il n'est pas très, très attiré par l'eau et la boue. Donc ça, c'est très bien. Voilà, ça, apparemment, ça ne va pas durer longtemps, vu que tout le monde lui montre. Voilà, même Bavouille. Ah bah si, finalement. Hop là, montrez-moi encore, j'ai pas très bien compris la connerie qu'il faut faire. Ah voilà, ah c'est ça, ah d'accord, ok. J'étais un peu propre, j'avais un beau pelage de bébé. Ah, attention, rencontre avec Georges, le choc des générations. Bon, je retourne bosser, en fait y a pas le temps pour ces conneries, c'est reparti. Petite rencontre avec Izzy aussi. C'est moi qui fais la loi ici, t'as compris? Les petits jeunes dans ton genre, j'en ai maté d'autres, hein. Alors voilà, tu as, t'as compris, tu patouches dans la boue comme tout le monde, ok? Si tu seras jamais accepté, si t'as pas les pattes plus sales qu'un Golden Retriever. Ouais, voilà. Donc, tu patauges un peu, et je viens de chercher tout à l'heure. Hop, essaye pas de sortir, hein. Tu restes dans la boue à mariner. Et dès que tu sens la ferme palourde, tu pourras sortir. Hey, regardez-la, elle. Regardez, elle se trimballe avec nous. Elle a même pas les pattes sales, elle a rien du tout. Alors que le petit, lui,
Le petit a bien suivi nos conseils, c'est bien. Voilà, bravo, tu peux jouer avec nous maintenant. Ah là, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, Pinto? T'es très pressé de voir tes copains? Allez, viens, hop là. On y va doucement. Allez, on va direct dans le grand parc, comme ça on va voir les autres chiens tout de suite. Ah, Valco et Pistache. Qui font connaissance. Pistache, pourquoi t'es tombé? Mais c'est quoi cette coupe à la con? Alors, je crois que c'est parce qu'il a des petits problèmes intestinaux et qu'il faut éviter que ça se prenne dans les poils. Je crois que c'est ça l'idée. Bon, après, on a qui? On a Tracker. Tracker, faut en profiter parce que ce Tracker, pour l'instant, il y a du poil lustré. Il en manque une. Ah, mais elle est là, la pépette. Tu veux sortir ou tu veux aider Morgane à faire des travaux? Oui! Tiens, tu veux un petit chien avec toi? Eh ben voilà, les deux petits. Valco et Toscane. Ils étaient faits pour se rencontrer. Oh, c'est mignon. Oh. Le couple de l'année. Hein? Bah oui. Les autres chiens, là. Vous venez? Tracker. Il y a une piscine. Oh là. Surtout restez éloigné de ça. Oui, c'est de toi que je parle. Tracker. Ah non, oh là. Oh non. Ah non, 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 j'ai vu que c'était de l'eau propre. Vite. Sauf qu'il peut. Ils veulent me mettre dans de l'eau propre. Sympa, non? On va échapper belle, les gars. Non, mais vous foutez de moi. Il y a une piscine de 30 mètres carrés et vous restez dans le coquillage pourri. Tracker. Tracker, viens voir. Tracker, de toute façon, qu'importe où je suis, il va l'opposer. Allez-y, hein, allez tous dedans, c'est pas grave. Ah, oula, oula, oula. Le Golden s'intéresse à ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il va trouver les escaliers déjà? T'étais devant, hein. Oh, Pinto. Pinto, faut maigrir. Faut surtout se laisser pousser les neurones, Pinto, parce qu'il y a les escaliers juste à côté de toi. Regarde-le, lui. Lui, quand il pleuvait des neurones, il avait un parapluie. Il passe 500 fois devant les escaliers. Il regarde l'autre utiliser les escaliers. C'est pas possible, c'est sorcellerie. Comment elle a pu accéder à la piscine? Oh, c'est de l'autre côté, c'est sûr. Tracker, là, là, vas-y. Oui, oui. Oh, ça y est. Ça s'est illuminé. Voilà. Mais par contre, on est bloqué là, résultat. Faut rajouter de la boue, parce que là, ça va pas le faire. Ah, bah, au revoir. Le parpaing, il est pas... Ah, messieurs. Faut que je l'en mette. Allez, on va laisser ça. Bah oui, Tracker. Bon, lui, il va rester là toute sa vie. Génial. J'ai trop plein d'amis. C'est super. Qu'est-ce qu'il est con. Tracker. Mais oui, il est très content. Bah oui, c'est très bien. Voilà, on est très heureux. Bravo. Are you listening? Damn. Yeah.